Bonjour à toutes et à tous, un petit mot avant votre analyse technique présentée par Karen pour vous parler du Discord que nous avons mis en place ensemble. Je suis Maxime, associé et collaborateur de Karen, et nous vous proposons de vous accompagner au quotidien dans l'apprentissage du système Ichimoku Kinkoyo sur le marché des cryptos et sur celui du Forex. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous retrouvez le lien contenant toutes les informations sur le profil Twitter de Karen. Je vous dis à très vite, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur le Forex. Donc ça fait un certain temps que je n'avais pas fait de vidéo, j'en profite quand même pour faire un petit point, pour voir un peu où on en est, mais c'est vrai que jusqu'ici le marché était un peu plan-plan et qu'il se passait franchement pas grand-chose. Donc là ça a l'air de vouloir bouger un peu, notamment côté dollar qui est en train de s'exciter. Donc c'est à la fois le plafond de la dette, les taux d'intérêt qui pourraient continuer à monter parce que l'inflation n'arrive pas à baisser, donc il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux et qui bougent un petit peu le dollar à la hausse, donc ça impacte évidemment tout le marché du Forex. Donc voici notre dollar index en hebdomadaire. Donc j'ai toujours mon schéma ici de correction en vague ABC. Donc pour moi, on aurait fait potentiellement une A. Je dis bien que c'est du potentiel. On serait peut-être en train de faire du A, B, voire et C ici. Et puis pour finir la grande baignoire avec l'idée de refaire du C derrière. Donc ça, c'est une hypothèse de travail, ce n'est pas une certitude. On peut aussi très bien avoir fait un point bas ici, et puis on va repartir comme ça à la hausse. C'est aussi une possibilité, ce qui voudrait dire que ce mouvement correctif de cette grande hausse ici serait terminé, et on serait en train de s'acheminer tranquillement vers un renversement de tendance. Donc on a les deux scénarios, soit la correction n'est pas terminée, soit elle est terminée. Donc pour ça, il va falloir attendre de casser certaines résistances qui vont nous matérialiser le fait qu'on est reparti à la hausse ou pas. Donc déjà, pour ce qui s'est passé là, immédiatement parlant, avant de voir un peu plus loin, on a la Kijun mensuelle qui a été cassée donc la semaine dernière. Elle a été cassée. Cette semaine, on a fait le test de cassure qui a parfaitement tenu. Vous voyez que la mèche est venue pile rechercher cette Kijun mensuelle et ça a tenu et on est reparti à la hausse. Donc là, ce sont les différentes résistances qu'on verra en court terme. Mais pour le moment, a priori, ça a l'air de vouloir être haussier puisqu'on a un signal haussier de long terme qui est donné et la bougie suivante a confirmé. Donc évidemment, on va voir ce qui se passe cette semaine. Donc l'idée, c'est cette semaine potentiellement d'aller chercher la Kijun hebdomadaire ici qui est à 104,50. Et puis après, on a un nuage qui est épais, hein, à 104,70. Là après, il va y avoir, ça va être dur. Alors soit il y a vraiment une puissance haussière forte dans le marché. Dans ce cas-là, on va traverser ça en crabe, mais ça se traversera. Ou alors, on va attendre ici la fin juillet, hein, pour passer ici à travers et puis nous déclencher cette hausse. Voilà, on a les deux hypothèses de travail qui peuvent se produire. Si je regarde en journalier, voilà, on voit bien hein, ce qui se passe. Donc la Kijun mensuelle cassée ici. Là, on était sorti du nuage, pardon, c'est du passé le jeudi 18 mai. Et puis le vendredi, eh ben, on est reparti à la baisse. Et vous voyez que c'est la lagging span qui n'a pas validé la hausse puisqu'elle n'a pas cassé la Kijun alors que sa Kijun est verticale, donc c'était facile à traverser. Elle ne l'a pas fait. Donc est-ce que c'est juste un mouvement? En plus, c'était la fin de la semaine avec les trois sorcières, etc. Bon, il y avait plein de choses qui rentraient en compte vendredi. Donc le mouvement baissier a peut-être été un petit peu trop fort par rapport à ce que le marché veut vraiment faire. On avait trois impulsions bleues ici haussières, donc c'est normal qu'on ait eu la rouge derrière. Le problème, c'est qu'on a vraiment clôturé en dessous de la SSB et que la lagging span n'a pas validé. Donc, est-ce qu'on invalide tout ça lundi en repartant là-haut, c'est-à-dire en recassant les 103,35, puis ici les 103,66, ça serait un bon niveau à casser pour après chercher les niveaux hebdomadaires. Et c'est seulement la cassure de la Kijun hebdomadaire ici, donc à 104,40, qui nous dirait qu'on aurait un signal haussier aussi de moyen terme. Mais voilà, je l'ai montré en hebdomadaire avec un nuage compliqué à traverser parce qu'il est épais. Voilà. Donc est-ce que on remonte, on sort de là et on range ici jusqu'à la fin juillet? À voir. Alors autour du 15 juin, je ne connais plus la date exacte, 14 juin, voilà exactement, on a trouvé. Le 14 juin, on a le FOMC. Donc, vous voyez, même si Powell continuait à monter vraiment ses taux de façon drastique, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 25, il faisait 50 points de base, par exemple. Hein, donc, ça pourrait nous propulser le dollar à la hausse, mais ça permettrait pas d'aller chercher le haut du nuage, sauf si il monte et puis voilà qu'il se trouve par ici. Là, effectivement, ça pourrait booster. Mais bon, pour le moment, je veux dire, on voit qu'il y a une zone compliquée. Hein, on a un nuage de court terme, donc on essaye un renversement de court terme qu'elle ne valide pas. Et si on arrive à valider ce renversement de court terme, on aura après un renversement de moyen terme à concrétiser, là, qui va être un peu plus compliqué compte tenu de l'épaisseur du nuage. Mais pour le moment, ça reste malgré tout haussier, donc il faut en tenir compte. Donc,
Donc, je voulais aussi vous montrer ce graphique, un graphique en point et figure. Donc, c'est une technique un peu particulière dont je parle régulièrement et qu'on va développer sur le Discord avec mon associé, donc qui lui est chargé de faire les explications, la vidéo et tout ce qui va bien parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est une technique de lecture de marché qui est très puissante et qui marche souvent très bien. Il est en train d'étudier ça pour le moment, donc sur des objectifs plus court terme et sur les cryptos, et ça marche vraiment très bien. Donc, le dollar index, le voilà ici. Et pour le moment, on a un objectif ici à 120, donc on a vu qu'on n'y était pas puisque c'était 103. Donc on a un premier objectif à 120 qui n'est pas encore atteint. On a un objectif ensuite à 152, et pour le moment, tout ça pour invalider ça, il faudrait redescendre en dessous des 80, donc on n'en prend pas vraiment la direction. Et puis il y a un objectif avec ces deux colonnes là qui est marqué à 180, donc c'est extrêmement haut. Mais ce n'est pas improbable. Alors attention, là on est sur du journalier, donc c'est des objectifs de très long terme. Les 180, c'est pas pour demain. Mais ça veut dire que ça voudrait dire, c'est tout ça, c'est à valider bien évidemment au fur et à mesure. Ça voudrait dire malgré tout que le dollar est en train de reprendre une tendance haussière. Donc ça va nous impacter sur les autres paires, euro-dollar, AUD, USD, etc. qu'on va voir maintenant. Donc je reviens à mon graphique normal. Donc on a vu qu'on avait 120. Alors 120, on va le chercher, c'est tout là-haut. D'accord? Donc 100, on a 122 ici. Donc 120, voilà, c'est ici 120. Donc ça voudrait dire qu'on ferait, voilà, on aurait vraiment une tendance haussière qui repart, puisque ça voudrait dire qu'on casserait les derniers points hauts. Il faut casser, il faut faire un point au plus haut pour dire que cette correction est terminée et qu'on repart à la hausse. Donc en cassant les 114, 115, on va dire. Donc après, ça serait les 120, etc. Donc on aurait vraiment une tendance haussière de long terme qui serait peut-être en train de se dessiner. Mais pour le moment, on reste quand même, on a encore cette zone à négocier pour vraiment nous confirmer ça. Ce qui voudrait dire que cette hypothèse en ABC, elle serait fausse. Voilà, ça veut dire que là, on aurait déjà fait ce qu'il faut ici. La baisse serait là et puis on repart à la hausse. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important en analyse technique. On peut avoir des hypothèses et puis après, au fur et à mesure de l'avancée des prix, on va invalider les hypothèses. Bien évidemment, si on casse ça et qu'on commence à rentrer dans le nuage, on a toujours l'hypothèse de vague C qui est ici avec la vague B noire. Et c'est seulement en sortant du nuage, donc ça fait sens là aussi, en sortant du nuage, donc en cassant ici la Kijun hebdomadaire à 107,80, qu'on pourra dire que là effectivement ça c'est caduque et qu'on part, on repart pour de la hausse. Donc qu'est-ce que ça va nous donner sur les paires de devises ordinaires? Donc l'euro-dollar, si le dollar monte, c'est un euro-dollar qui baisse, c'est logique, vu que le dollar est une des constituantes de l'euro-dollar, ça fait sens. Donc pour le moment, l'euro-dollar, voilà, alors lui aussi, évidemment, il nous a pas validé, la lagging span non plus n'a pas validé ici la baisse, puisqu'elle n'a pas cassé sa Kijun, et on a la médiane, puisqu'ici j'ai tracé une fourchette d'Andrews, donc elle est revenue au-dessus de la médiane, donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de signaux baissiers. Les prix sont sortis du nuage le jeudi et ils l'auraient intégré vendredi, mais on a quand même une mèche importante ici. Donc le premier niveau à surveiller va être à 1,0797. Si on le casse à la hausse, ça sera plutôt positif, mais on aura la médiane ici à 1,0839. Par contre, si ça tient, c'est-à-dire si on repart à la baisse, qu'on casse ce niveau-là à la baisse, on a un niveau ici à 1,0775 à surveiller et après on a un double support, 1,0758 et 1,0744. En dessous des 1,0744, c'est baissier, dans l'idée d'aller chercher potentiellement ce bas de nuage ici pour la lagging span qui correspondrait plus ou moins à la Kijun hebdomadaire ici à 1,0658. Et puis après, voilà, on peut descendre comme ça et puis buter sur la médiane, rebondir avant d'aller chercher le nuage hebdomadaire ici. Donc voilà, euro-dollar baissier, ça fait sens. De même, on devrait avoir le GBP/USD qui est baissier aussi, logique avec le dollar. Alors là, il faut faire attention aussi aux composantes, c'est-à-dire qu'il faut voir si le GBP monte et monte plus que le dollar, à ce moment-là, on aura la paire haussière. Par contre, si le GBP monte mais moins que le dollar, on aura une paire baissière. Et puis s'il baisse, ça c'est une évidence. Donc, on est coincé en résistance ici à 25,14 avec la Kijun. Pour le moment, on est dessous. Donc, ça a été travaillé et on part à la baisse. La lagging span n'a pas validé ici puisqu'elle reste au-dessus. Elle est restée au-dessus de la Tenkan. Donc, le niveau à surveiller, c'est les 1,20.
1,24,016. Si on casse les 1,24,016, à ce moment-là, on pourra avoir 1,23,65 en objectif. Et ici, la Kijun mensuelle à 1,23,058. Et si on casse cette Kijun mensuelle, ça veut dire que long terme, on est en train de redonner un signal baissier. Alors, on a quand même le nuage hein, ici, là, qui pourrait peut-être faire support. Donc, attention, hein, je vous l'ai dit, il y a un niveau ici. Voilà, il faut voir si ce nuage est cassé ou non. Si ce nuage est cassé et qu'on casse la Kijun mensuelle et la Kijun hebdomadaire ici, on pourrait avoir un renversement de tendance, donc ce qui irait dans le sens du dollar haussier, et ça serait mauvais évidemment pour le câble. L'AUD-USD. Alors l'AUD-USD, il est déjà dans le bas de son nuage hebdomadaire, alors double neutralité, hein, journalière et hebdomadaire. La Kijun hebdomadaire est très très haute, donc pour le moment il nous a fait de la latéralisation, hein, ici il n'a pas fait grand chose, il y a eu sa baisse et puis après il a hésité, donc tentative haussière, il est reparti violemment à la baisse et puis là bah voilà, il s'est acheminé tant bien que mal vers le bas de son nuage. Donc le support à surveiller il est à 0,66,054, si on le casse, bah, à ce moment-là ce sont les derniers points bas ici à 0,6568 en ligne de mire, et puis après bah, ça sera plus de baisse. Le dollar yen. Alors le dollar yen, évidemment, dollar haussier, ça donnerait un dollar yen haussier. Hein, et puis comme on a un yen qui est baissier, ça aide bien à la chanson. Pour le moment, on a le signal en court terme, c'est haussier. Il n'y a pas de souci puisque la Kijun a été cassée, on est au-dessus du nuage. Par contre, on est en train d'essayer de traverser ce nuage hebdomadaire. Donc vous voyez ce que le dollar index n'a pas encore fait. Ben, la paire dollar yen est en train de le faire, puisqu'on a un yen qui est très faible de l'autre côté, hein, de l'autre côté par rapport au dollar. Donc ça se traverse, hein, un nuage. Mais c'est compliqué, on est monté ici, on est redescendu, on a travaillé, on est en train de monter. Est-ce que là on va pas redescendre un petit peu? On est éloigné de la Tenkan, donc l'éloignement de la Tenkan en général, bah, soit ça donne une correction violente, soit ça donne une latéralisation en attendant que la Tenkan remonte. Donc là il peut se passer quelque chose, on a une belle rouge. Est-ce que c'est juste un effet vendredi ou est-ce que ça veut dire que ça peut baisser encore un petit peu? On a un support ici hein, de Kijun, là, le hebdomadaire à 137,41 qui a été testé deux fois. Donc a priori ça a l'air de vouloir tenir, hein, donc ça va être à surveiller, je vais le noter, voilà, hop, ici, donc 137,40, si ce niveau-là tient, à ce moment-là, on peut ranger, allez, on va dire 2-3 jours, avant potentiellement de repartir à la hausse, tout dépend de ce qui va se passer sur le dollar de l'autre côté. Donc là, on a une première résistance ici à 139,15, qui correspond au haut du nuage ici pour la lagging span, et là, on a un niveau très fort ici à 139,63, c'est vraiment un niveau clé, puisque vous voyez que c'est un long niveau de Kijun hebdomadaire, donc il va falloir le casser pour enfin aller chercher le haut du nuage ici, hein, on aura un niveau intermédiaire ici à 141,18, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la sortie de ce nuage hebdomadaire pour vraiment dire que le dollar yen est haussier moyen terme. Hein, donc voilà, la situation en hebdomadaire, vous voyez que on a une belle correction, hein, une belle montée ici, absolument très très propre, hein, bien soutenue par la Tenkan et la Kijun. On a cassé la Kijun, on est venu chercher la Kijun mensuelle ici. Là, on fait un mouvement en ABC, donc à voir si c'est de l'ABC pour repartir à la baisse, ou alors c'est pas du tout du ABC, c'est simplement qu'on est en train de partir à la hausse. C'est pour ça que ce double niveau ici à 139,15, 139,63 est important, parce que si on le casse, c'est que la lagging span arrive aussi, hein, vous voyez la lagging span hebdomadaire a passé ce niveau là, donc là au dessus à 141,34, ça serait vraiment le signal que ben, la correction est terminée et qu'on repart pour de la hausse avec comme premier objectif le dernier point haut à 152,075. Ensuite le dollar CAD. Alors le dollar CAD, il est dur à analyser en ce moment parce qu'il ne sait pas trop où il veut aller. Clairement, il n'a pas envie de rentrer dans son nuage hebdomadaire à la baisse, ça c'est une évidence, hein, parce qu'il l'a testé ici, et là il est coincé pour le moment entre le nuage hebdomadaire et le nuage journalier. La Kijun journalière à 1,3484 est en support, donc tant qu'elle est en support, c'est bon. Maintenant, il y a une double résistance ici, 1,3545 et 1,3564 à traverser, dans l'idée d'aller chercher ici 1,3596, et si on casse ces 1,3596, à ce moment-là, on libérera de la hausse, donc on sera haussier moyen terme, puisqu'on aura cassé la Kijun hebdomadaire, court terme, parce qu'on a déjà cassé la Kijun journalière qui a tenu, hein, ici on a eu le test de cassure qui s'est fait, et on aura renversement de court terme, puisqu'on cassera le nuage journalier. Le renversement de moyen terme est fait par rapport au nuage, hein, on n'a pas traversé le nuage, donc on est resté moyen terme au-dessus du nuage, donc c'était plus positif, mais on est en dessous de la Kijun hebdomadaire, donc on est neutre moyen terme, et là on essaye de renverser la tendance court
court terme. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le dollar CAD. C'est pas très lisible, c'est pas très facile. Pour moi, c'est une paire d'intraday, c'est pas vraiment une paire de swing parce que c'est plutôt compliqué à analyser. Parce que un dollar aussi, oui, mais attention le CAD, il y a le pétrole qui est dedans et qui quelquefois fausse les choses. Alors ensuite en CHF. Donc on a l'USDCHF, alors il est allé chercher son nuage, pas tout à fait, hein, mais bon voilà, on voit bien qu'il y a une zone là qui le bloque. Alors la lagging span est passée, elle a fait demi-tour et elle n'a pas cassé sa tenkan. Donc pour le moment, il lui reste encore la tenkan à casser avant de casser la Kijun pour libérer vraiment de la hausse et que les prix puissent rentrer dans ce nuage et aller chercher potentiellement la Kijun hebdomadaire ici. Donc là, on a une influence franc-suisse qui joue aussi, donc on a bien la descente ici, la baisse, on a une correction ici, mais attention, pour le moment, le nuage fait résistance, donc il faut impérativement passer de l'autre côté de ce nuage pour libérer quelque chose, et mais la lagging span doit casser sa tenkan, donc pour le moment c'est neutre, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. L'euro CHF, alors l'euro CHF lui par contre est baissier. On a un euro qui est baissé structurellement, donc voilà. Alors on a cassé donc les 0,97527, donc l'idée là maintenant c'est d'aller chercher le niveau qui est ici, qui est donc à 0,9682, et si on casse ce niveau là on en aura un plus bas, 0,9636. Pour le moment c'est baissé, hein. La Tenkan tient bien, elle baisse en plus, la Kijun baisse, on est sous le nuage journalier, sur le nuage hebdomadaire, donc j'en veux dire que voilà, c'est vraiment une sauf renversement brutal, pour le moment c'est quand même une tendance baissière assez claire qui se dessine. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? L'euro GBP. L'euro GBP, il est ici, donc même chose, hein. Euro baissier. Donc là, on a travaillé la ligne rouge, je ne sais pas à quoi elle correspond, je vais l'enlever. Donc on a un point bas ici à 0,866. Si on le casse, ben, c'est la trend line. Alors, on met en diagonale à 0,8622 qui sera en ligne de mire. Donc la même chose, attitude plutôt baissière. Alors je crois que j'ai pas fait l'AUD-USD dans mon souvenir. Donc l'AUD-USD, si je l'ai fait, eh ben tant pis, c'est neutre. Le nuage journalier dans le nuage hebdomadaire, voilà, avec le support ici du bas du nuage. Donc est-ce qu'on casse à ce moment-là, on va chercher les derniers points bas, ou est-ce qu'on reste dans cette neutralité? C'est un peu, voilà, c'est un peu brouillon, là c'est la même chose. Donc normalement un dollar qui monte, ça fait cette paire qui est baissière, donc logiquement on devrait casser les 0,66 dans l'idée d'aller chercher les 0,6564. Je regarde ma liste, ben voilà, non, j'ai tout fait. Après, vous avez les taux. Alors, le taux 3 mois, pour le moment, il est stable. Alors, il y a de la forte volatilité, mais pour le moment, c'est stable. Le taux 2 ans, alors attention, parce que le taux 2 ans, il pourrait bien recasser ici la Kijun hebdomadaire et la SSB journalière. Et là, ça nous donnerait encore un potentiel haussier, avec dans l'idée ici d'un double bottom qui serait produit et qui nous donnerait grosso modo comme objectif le dernier point haut ici à 5%. Donc, attention ici, il se passe quelque chose sur le 2 ans, donc ça c'est pas très positif. Et le 10 ans, ben le 10 ans il est en train d'attaquer, hein. Donc il a commencé, alors il faut la validation côté lagging span ici, mais après on va avoir quelques résistances ici, mais si tout ça ça lâche, ben c'est pareil, hein. Même hypothèse ici de double creux, et puis dans l'idée d'aller chercher les derniers points hauts. Donc les taux paraissent plutôt haussiers, le 30 ans lui est vraiment aussi, hein, puisque là la lagging span, même moyen terme, a validé la hausse, donc on reste haussier sur les taux pour l'instant, avec des validations sur les taux un peu plus courts, mais le 30 ans, lui, a priori, il a déjà validé la hausse, donc ça, c'est pas bon, par contre, pour l'immobilier. Voilà, j'ai fini le tour de la question. Alors, je rappelle que le FOMC, c'est grosso modo à la mi-juin, donc il va falloir attendre la mi-juin pour que ça s'affole vraiment un peu, sauf si, voilà, la dette, d'ici là, nous donne des indications, et que, là, on a bien vu, hein, cette semaine, le Forex s'est quand même un peu affolé, contrairement aux cryptos qui ne font strictement rien, c'est le coma dépassé. Là, par contre, le Forex c'est un petit peu bougé, donc c'est un petit peu intéressant, peut-être un marché à regarder pour compenser quand il ne se passe rien ailleurs. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.